déjà le 7 octobre. En plus, Frédéric, je veux te dire quelque chose. Tu sais, tous les films de surveillance Oui. que l'armée israélienne, ils ne l'ont pas diffusé. Si des films seraient diffusés en totalité, ou une partie peut-être, vous allez voir que quand Hamas il attaque, avec quelle violence, avec quelle sauvagerie, il tue les gens, il tue les femmes, il tue les enfants. Ouais, c'est que le pro... on le voit moi, dans les et en films. plus, il y a un problème, c'est que on a dernièrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, même là, il y avait dernièrement, ouais, j'ai vu hier soir, là, je sais pas où c'est, un pauvre jardinier et tout, ça, cette ambiance-là, c'est que ça se, disons, ça se répertorie, ça déteint au niveau mondial. Alors, il y a des gens, évidemment, qui vont faire la différence entre ce qui se passe en Israël, entre ce qui se passe entre des Palestiniens qui ne feront pas, qui n'agresseront pas des Israéliens, d'autres qui l'agresseront. Il y en a qui la feront, mais il y en a qui la feront pas, malheureusement. Et malheureusement, on est dans ce cas-là. Comme disait, comme aurait dit Clint et tout, on est dans la deuxième situation. Et c'est ça, qui est. Parce que il y a des. Je sais pas, moi, y a des actions qui sont faites. Bon, culturelles, par exemple. On voit Barenboïm, qui est un très grand chef d'orchestre pianiste, qui a un orchestre qui est monté que de, justement, moitié juif, moitié palestinien, et qui marche très bien, d'ailleurs. Ça, c'est une action que, bon. Que fait Barenboim, mais il y en a d'autres aussi. Même le problème là, bon, même en Israël même, il y a aussi il y a des endroits où c'est où il y a des Palestiniens qui travaillent en harmonie avec des Israéliens. Ici, Par Frédéric. contre, le problème, c'est que le problème d'Israël, c'est que c'est pas c'est que le niveau de la constitution israélienne, c'est pas comme la constitution française. C'est C'est une quoi? cons parce que c'est ça n'a rien à voir, disons, nous on a une constitution, c'est déjà, c'est, disons, c'est écrit, ça fait depuis 40-50 ans, en 58 on a dit, il y aurait ça, la République elle est comme ça, enfin, alors qu'en Israël, ça évolue, c'est toujours, disons, cette constitution, elle est un peu, merci, elle bouge selon, au niveau de l'actualité. Là, dernièrement, ils avaient fait une constitution où ça va être, disons, que ça va être une constitution où il n'y aura que la population qui va compter. Bon, évidemment, c'est la population juive et les autres, à part peut-être les druzes, parce qu'il y a pas mal de druzes en Israël. C'est depuis quand ça? Oh ben, la constitution, ça fait au moins 2 ans. Alors, mais depuis 75 ans que les Palestiniens, ils ont ça et qu'ils n'ont pas accepté les Juifs là-bas, l'Israël là-bas. Si, alors, les Palestiniens, ils ont commencé depuis 75 ans de contester la décision des Nations Unies. Y a ça, et puis Alors, y a aussi, pendant par toutes ces exemple, années-là, c'est des actes terroristes, ouais, y a violents. aussi. Ah ben, avec le Hamas, oui, ça, d'accord. Non, même avec Fatah aussi, il ne faut pas oublier tout ce qu'ils ont fait à l'époque, les Palestiniens. Est-ce que vous savez, Fatah, c'était quoi? C'est quoi Fatah? Eh ben, c'est Fatah? un mouvement à la Non, base. c'est une alliance des mouvements. Pour environ 70 mouvements palestiniens étaient dans le OLP. OLP, c'est une Organisation. organisation qui rassemblait Oui, il y avait plusieurs FPL. dizaines Oui. de mouvements palestiniens. Oui, Le patron était Naif Fatme, il y a George FPL. Habash, Oui. Arafat et tout ça. Alors, c'est-à-dire, cette diversité que vous avez dit qui s'était créée par Hamas, avant, ça existait et existe toujours dans l'organisation. C'est-à-dire, chaque individu, il se prétend d'être Mais un mouvement il y a aussi, palestinien. Georges Ibrahim Abdallah aussi. George Ibrahim Et Abdallah. d'ailleurs, qui aurait dû être, qui a déjà, qui d'ailleurs a fait sa peine et qui devrait être sorti de prison. Ça fait un moment déjà. Il n'a pas sorti encore? Il n'est pas encore sorti. Il est pas loin de chez moi, à Lannemezan, dans les Landes. Il y a eu des manifestations à Lannemezan pour qu'il puisse sortir, parce que bon, il a fait 20. En plus, il a été mis en prison. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, c'est pas trop clair non plus, parce qu'on sait pas trop ce qu'il a. Parce que je crois que c'était par rapport.
c'était pas le drugstore, un truc comme ça, qu'il avait. Non, ou alors c'est autre chose, enfin bref. Et à l'époque, bon, ouais, parce que je sais qu'il y avait à l'époque pas mal de. Il y a eu des. Bon, c'était en plus, il y avait. En plus, il est tombé à une mauvaise époque parce qu'il y avait, eu des bombes à Paris, notamment à Saint-Michel. Et c'était l'Iran qui avait foutu des bombes là-bas. D'ailleurs, c'était. Parce qu'on est là qui disait, ouais, au départ, c'était les pays de l'Est et tout. Non. Et après, c'est bien la République islamique d'Iran. Et... À Saint-Michel ou à Tati? Non, je crois que c'est Saint-Michel. Et il y avait aussi. Ils avaient capturé, je sais, un des assassins de Chapour Bakhtiar, mais bon, il y en a. L'autre, par contre. L'autre, ils n'avaient pas réussi à avoir. À les Sarkoche, par exemple. Oui. Le terroriste. Mais ça, c'est le chat. Il est maintenant en Iran. Il a l'empire économique, là-bas. Vous voyez, il a tué deux Français. C'était Mitterrand, à l'époque, qui l'avait gracié. Quand il est passé au pouvoir, c'est... Ils ont fait un accord, comme échange des étages actuellement. Et c'était donnant. De toute façon... Il y a eu action directe dans la même... action directe. Parce que l'action directe, bon, c'était... c'est pas la même... Déjà, c'est pas la même histoire. Bon, ils ont quand même tué Georges Besz, qui était quand même le patron de la régie Renault, et qui avait été, à un moment donné, le patron du nucléaire en France. Par avec l'Iran. Ils ont dit que... Vous savez qu'il y avait plusieurs milliards de dollars que Shah d'Iran, il avait investi dans le nucléaire. Georges Besz, il était en conflit avec la République islamique d'Iran concernant cet remboursement. Ouais. C'était un régime qui était commencé avec terrorisme et les actes terroristes, ça continuait. C'est une commande, action directe, ils ont fait une commande de la République islamique à ce moment-là. Voilà, c'est le commande, bien sûr. Terrorisme, c'est commandé. Écoutez, il ne faut pas avoir peur face au terrorisme. Si on a peur, on est le perdant. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Regardez, nous prenons comme exemple la France. Dès que la France prend face au terrorisme, aux intégrismes, Macron, il prononce exactement le mot islam terroriste, au lieu de dire djihadiste, il dit islam terroriste, vous voyez que les gens vont avoir peur. C'est pas nous qui on va avoir peur, c'est pas l'État, c'est pas le peuple, c'est les terroristes qui vont avoir peur. Ils vont se cacher. Mais si on a peur, on cède à ces gens-là. De toute façon, l'ancienne génération, Frédéric, c'était une génération de peur. Moi, tu sais, Michel Rocard, l'ancien premier ministre, l'ancien patron de socialistes, l'ancien allié de François Mitterrand, une personnalité et que tout le monde le connaît, beaucoup de gens l'aimaient et l'aiment. Regarde, et quand Hollande, il est président, il avait son bureau ici. Qui Michel Rocard. Ah oui. À quatrième étage, au 66 Champs-Élysées, Sarkozy il avait donné un paquet, il travaillait dans certains domaines internationaux, soi-disant patati patata, je ne sais pas. Ça, c'était le truc d'épaule, ça, il était ambassadeur d'épaule, Rocard, avec Alain Juppé, il était. Oui. Il y a eu Ségolène Royal. De toute façon, ici, il avait son bureau, il travaillait. Un jour, il me dit, David, je vais aller en Iran. Je dis, ah bon, au départ, que Hollande, il est devenu président. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Moi, je dis, monsieur le Premier ministre, il me disait, monsieur le président, puisque je suis, comme tu sais, président de l'association, etc. Je dis, qu'est-ce que vous voulez faire là-bas? Il a dit, je suis chargé d'aller prendre accord des Iraniens pour repatrier la totalité de l'armée française de l'Afghanistan avec les armements vers Paris. Mais puisqu'on ne va pas payer les frais de livraison des avions et tout ça, ça coûte trop cher, on va prendre cette aide de la République islamique d'Iran. Oui. D'accord ? Et il va aller. Après, il m'a demandé de l'apprendre quelques mots aux persans. On se mettait en haut dans un café qui était au milieu, deux coupes de champagne, et pendant deux, trois jours consécutifs, on a parlé, je lui ai donné des notes que j'ai ici. Alors, il est parti. Écoute bien, Frédéric, c'est très important, M. Dupont.
Après, d'autres.